Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me faire, j'ai fait un gommage, un masque Gylor. Là, j'ai appliqué mon essence, qui est Victoire de la Beauté. Oui, on adore. Et je vais m'appliquer ma crème contour des yeux et ma crème de jour. J'ai fait toute une routine complète. D'ailleurs, ça se voit, j'ai le teint, il est lumineux. Je suis un peu dégue, on s'est pas déguisé cette année. On n'avait pas de soirée Halloween de prévu. On n'a absolument rien fait. Du coup, bah, j'avais pas de déguisement. C'est une des premières années où, enfin, on se déguise pas. J'aime trop pourtant me déguiser pour Halloween. Je trouve ça trop cool et tout. J'aime bien cette fête. Mais du coup, bah, seulement les enfants l'ont fait. Mais c'est pas grave. C'est tant que les enfants ils se sont amusés. C'est eux qui récupèrent les bonbons après tout, hein. Moi, je suis juste une impostrice qui veut juste me déguiser. Voilà. Les bonbons, je m'en fiche. J'en mange même pas. Bref. J'espère que vous avez passé une bonne soirée d'Halloween hier et que bah, aujourd'hui vous allez pouvoir bien vous reposer. Je crois que bon, les amis, petite update de mon pied. Vous savez, j'ai fait une radio, un IRM et tout le monde me dit, mais Jess, tu nous as jamais donné des nouvelles alors que j'ai fait tout ça. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, j'avais mal au pied. Il était un peu gonflé. Genre, imaginez, ça c'est mon pied. Ben, là, à ce niveau-là, j'avais un orteil qui était un peu gonflé. J'avais mal jusqu'à là. Et du coup, ben, je l'ai dit à ma médecin qui me suit, et elle m'a dit on va faire une radio, c'est mieux. J'ai fait une radio, sur ma radio, il se trouvait une tache blanche au niveau de mon os. Il y avait une tache. Et donc elle m'a dit, écoute, je préfère, j'ai envoyé à tous les spécialistes que je connais, les orthopédistes, c'est ça qu'on dit pour les pieds. Et du coup, ils lui ont conseillé de faire tout simplement un IRM. D'où le fait que j'ai fait un IRM de mon pied lundi. Là, j'ai eu les résultats. En fait, c'est une petite poche d'eau. En fait, c'est juste que j'ai trop fait de sport et que j'ai abîmé. J'ai tout mon pied qui est abîmé, en fait. J'ai mes tendons, mon muscle, les os. J'ai tout qui est abîmé au niveau de mon pied. Je pense que c'est mes appuis. Quand tu fais du paddle, t'es beaucoup appuyé sur les. Tu joues à raquette et tu vas droite, gauche, machin. Donc, tu t'appuies beaucoup sur les pieds. Donc, j'ai trop pratiqué et je me suis abîmé tout simplement les pieds. Donc, je dois faire attention, réduire un petit peu et faire de la rééducation. Je dois aller voir un kiné. Voilà les nouvelles de mon pied, tout simplement. Ne me prends pas par les sentiments, Adeline. Ah, j'étais en train de regarder les échos de Halloween en me disant, bon, je les enlève quand? Je vais les laisser encore 2 jours, t'as compris? Peut-être demain ou après-demain. Mais il faut pas me chauffer parce qu'après Halloween, ça va très vite dans ma tête, tout défile, genre. Oh, c'est adorable, merci. Surtout, n'oublie pas de me faire ton retour. J'ai trop hâte de te lire. Ce genre de message, ça me touche trop. Je suis trop contente. Merci. Bon, pendant que Thibaut et Joey jouent et que mon fils est en train de s'habiller tout seul comme un grand pour aller jouer avec son copain et que ma fille fait la sieste, maman, elle a trouvé son activité préférée de Allez, l'année. allez, vas-y. Oui, Oh nous non. sommes le 1er novembre et du coup, ben, je commande mes décorations de Noël. Alors, pas pour Dubaï. Et sont où les Ah, tu décorations commandes de pour la France? Noël? Hein? Tu commandes pour sont la où les France? Oui. décorations? Bah, j'ai Et acheté un en nouveau sapin combien de dodo Noël? Ouh là là, dans combien de dodo? C'était en combien de dodo Tu peux Noël? filmer le but que je viens de marquer si tu le désires. On s'en fiche de ça. C'est dans combien de dodo Noël? Noël, c'est dans. Ouf. Dans 55 dodo. Voilà. 54, quoi. Voilà. Ouais, un truc comme ça. Où est ton 4 dodo? Non, Non, 54. 54. 54. Ça va aller? Pas du tout aller. Je vais me faire un bon shampoing, un bon soin, Myriam K. Mais avant ça, je viens m'occuper de mon cuir chevelu. Comme d'habitude, je fais le scalp qui me permet de faire un bon nettoyage du cuir chevelu. À l'intérieur, on a des petits grains comme ça. On retrouve de l'ortie et des huiles essentielles. Ça permet de rééquilibrer le sébum et de favoriser la circulation sanguine pour vitaliser le cuir chevelu. On laisse poser. Aujourd'hui, je vais faire la gamme volume. À l'intérieur, on retrouve 85% d'ingrédients d'origine naturelle. Il apporte de la légèreté. On retrouve à l'intérieur du beurre de menthe, de cacao et de l'huile de coco. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant fait le scalp juste avant, les cheveux moussent directement. Je viens faire mon masque. Il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
Il permet de nourrir en profondeur sans alourdir le cheveu. À l'intérieur, on retrouve du beurre de menthe, de l'huile d'amande douce et de l'aloe vera. Peler sa chevelure et laisser poser pendant 10 minutes. Mon résultat, Myriam K, toujours incroyablement parfait. Les cheveux souples, brillants. J'adore, je valide à 100%. Je rappelle que vous avez les gélules, les Big Air. Vous prenez 3 gélules par jour pendant dans le repas. Et ça vous permet de renforcer et de faire pousser vos cheveux. J'adore la cure Big Air, c'est une cure que mon mari a fait pour laisser pousser ses cheveux, que j'ai fait régulièrement. Dedans, on a de la vitamine C et E, on a du zinc, de la biotine, tout pour faire renforcer et pousser vos cheveux. Profitez de mon code promo GEL10 qui vous permet d'avoir moins 10%. Là, c'est vraiment que je l'adore, hein, parce que vraiment, me laver les cheveux, avoir des cheveux beaux, brillants comme ça, et de lui faire plaisir d'aller jouer au paddle, c'est que vraiment... Je l'aime bien, ah ouais. Ah ouais. Il me fait aller jouer au paddle. Il me dit je joue avec toi. Tu joues avec moi? Ouais, je joue bien. Je joue bien. Bien. Allez les enfants, ben, ils ont le droit de rester un petit peu jouer. Vous allez jouer un petit peu? Oui. Allez, et nous on y va. Non mais c'est trop mignon, Lily elle fait un gâté à Joey. Tu l'aimes beaucoup Joey? Ah oui, Mylon. Sa petite voix. Mylon, bisous. Oui mais j'en veux encore. Regardez mon fils comme il est beau là. Viens faire un bisou. Regarde-moi comme il est. Il a la coiffure comme ça. On dirait Robert Pattinson. Gâté, c'était pas juste me regarder, il est trop beau, il est venu m'emballer, parti. Bon, là, c'est le vendredi soir, donc le vendredi soir, ils ont le droit de dormir plus tard. T'es content? Tu joues avec Liliane? Bisous, bisous. Mais... Oh, Uno. Tu joues au Uno avec Liliane? Oh, et c'est qui gagne? Moi, 4, Liliane, 1. Ouh, waouh. Allez, amuse-toi bien, mon amour. Je sais pas pourquoi mes stories se mettent en boucle, il y a tout le monde qui m'écrit des messages, j'ai aucune idée, sachant que moi je mets pas en boucle en plus. Non, je comprends pas les gars, je suis vraiment désolée. Je comprends pas.